Bonjour, bonjour, petite vidéo informative qui pourra peut-être permettre à certaines personnes de ne pas se créer de problèmes. Là, on a eu un coup de vent hier, un coup de vent un peu fort et il y a pas mal de petites branches qui ont été cassées. Alors, c'est souvent le cas en hiver, vous avez les branches mortes dans les arbres, dans les grands arbres. Là, je suis sur ma parcelle, hein, vous voyez, le grand frêne est là. Oh, le grand frêne, c'est mon composteur, très bien. Et vous voyez une profusion de petites branches cassées, donc là, je ramasse ça et ça me fait du petit bois. Ouh, ça me fait du petit bois pour allumer ma forge. Ah, c'est comme ça que je récupère mon bois. Et justement, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il va en venir avec son avertissement au début de la vidéo? Et bien parce que vous ne pouvez pas ramasser le bois comme vous voulez n'importe où. Sachez par exemple, si vous vous amusez à ramasser du bois dans la forêt, hein, ben c'est 1500 euros d'amende. Eh oui, il y a des règles. Vous pourrez se dire, ben, la forêt c'est plein d'arbres et c'est du bois, et donc il n'y a qu'à se pencher et ramasser pour se servir. Justement pour éviter qu'il y ait des débordements, des gens qui abusent, qui viennent piller littéralement la forêt. Bon, après il y a une raison écologique qui est mise en avant par l'ONF qui dit, oui, le bois mort sert à des formes de vie, des animaux, etc., qui ont des hylophages. C'est pas faux, mais bon, bref. Dans tous les cas, ne ramassez pas le bois n'importe où, ça, c'est pas possible. Faites attention. Bon, allez, je continue, moi. Bonne journée, à bientôt.